Ce concours de lecture à voix haute a été instauré l'an dernier à l'initiative d'une collègue de lettres, Madame Annabelle Arnaud, face au peu d'appétence que les élèves ont pour la lecture, d'essayer par ce biais de les motiver et de les inciter à lire de plus en plus. Donc je me suis pleinement associée en tant que professeure documentaliste à ce projet. Et cette année, la collaboration a été d'autant plus importante que cette année, vraiment, tous les enseignants de lettres du lycée se sont inscrits avec leur classe pour participer à ce concours. Ce qui m'a intéressée non seulement c'est le choix de mon livre, mais c'est aussi, lors de ma lecture, j'avais un message à faire passer. Il faut savoir qu'ici, l'homophobie, elle est très présente, non seulement dans une culture, mais aussi dans la vie de tous les jours, de par déjà notre culture. Dans une culture, c'est inhabituel de voir une personne, un garçon rester avec un autre garçon, une fille rester avec une autre fille, et ça rentre pas dans nos codes en fait. Du coup, c'est pour ça, je pense que depuis des années maintenant, on a toujours, on a toujours oppressé en gros ce genre de personnes parce qu'elles rentraient pas dans nos codes à nous. Mais je voulais aussi dire que, aujourd'hui, nous, comme on dit, ici en Nouvelle-Calédonie, c'est nous la relève. Donc c'est à nous de changer ces mentalités-là. La culture Gamak, elle est bien, mais il y a encore quelques points à améliorer. Je parle aujourd'hui de l'homosexualité masculine parce que c'est le sujet de mon livre, mais la place de la femme aussi, elle a besoin d'être améliorée dans la culture Gamak. Donc là, Myriam, vous tenez dans les mains tous les ouvrages qui ont été un peu, enfin presque tous, qui ont été pour ce concours de lecture à voix haute. Oui, là ce sont en fait les ouvrages donc d'auteurs du territoire qui ont été sélectionnés par les élèves. Hein. Donc on a un panel un peu à la fois de romans, de nouvelles, de poésie, voilà. Donc l'idée c'est de favoriser quand même la littérature locale. Oui. D'essayer de l'intégrer. Vous y contribuez, ça vous tient à cœur apparemment, hein, Myriam. Tout à fait, parce qu'on a une richesse justement sur le territoire qu'il faut impérativement développer. Et plus on sensibilise aussi nos jeunes à ces ressources, donc déjà intrinsèques, on va dire, au territoire, plus ils arrivent à s'approprier en fait la lecture, parce que des fois ils s'identifient. Et il y a de nombreux ouvrages où justement les élèves arrivent à s'imprégner et en se disant même « Ah mais ça parle de ma tribu, ça parle de tel sujet, ça aborde telle problématique locale ». Donc ça les incite effectivement à lire davantage et à venir consulter davantage le rayonnage. Je suis encore célibataire. Je suis très discret sur ma vie privée, affective et sexuelle. Avec mes collègues, je feinte en permanence. Ne rien montrer, tout cacher, pour éviter les pia-pia et les blabla qui nous brusquent la vie, à nous, les gens du pays du non-dit. Une expression inventée par un historien local. Elle résume que l'on est dans l'évitement permanent de la parole vraie, dans l'apparence du vrai, dans le cloisonnement de la pensée. Ici, les gens se contentent de vivre, les uns à côté des autres, en juxtaposition, sans fusion, sans se connaître réellement. Les métis en savent quelque chose, longtemps relégués, aujourd'hui à peine tolérés, à défaut d'être acceptés. Il faut savoir que la génération de mes parents, la génération de mes grands-parents, elle est très... Elle a grandi dans cette pression culturelle-là, avec le fait de transmettre, aussi de perpétuer cette haine-là. Mais au niveau de ma génération à moi, je trouve qu'il y a un changement. Il faut savoir que je viens d'un collège qui était, on va dire, assez mal vu, à savoir le collège de Caméré. Mais là-bas, j'ai rencontré des personnes qui sont très tolérantes, d'origine kanak aussi. Et eux, ça les dérange pas de vivre avec ce genre de personnes. Donc moi, j'ai un espoir pour notre génération à nous et je me dis qu'on peut améliorer les choses.
Pour moi, j'ai choisi un texte de Romain Gary qui est « Je parle de l'héroïsme ». Et donc je vais vous lire justement un extrait. Lorsqu'il y a quelques années, l'Institut français d'Haïti m'invita à faire une conférence littéraire sur un sujet à ma convenance, je n'hésitais pas un seul instant. Je choisis l'héroïsme. C'est un sujet qui m'est familier. J'ai passé de longues heures dans ma bibliothèque à l'étudier. Le danger, le courage, l'esprit de sacrifice n'avaient pour ainsi dire plus aucun secret pour moi. Et lorsque j'arrivais à Port-au-Prince, j'étais vraiment prêt à donner le meilleur de moi-même. Romain Gary ici nous fait découvrir une perspective de l'héroïsme que l'on n'a pas l'habitude de voir. Être déjà vivant, c'est héroïque. Le fait de tenir en vie comme ça debout, par exemple pour quelqu'un d'handicapé ou qui n'a pas justement cette force de vie, de vivre déjà c'est un miracle. Plus qu'un miracle, c'est de l'héroïsme. Faire des choses à petite échelle, par exemple pour nous citoyens, faire des petites choses pas à pas, c'est aussi de l'héroïsme. C'est laisser notre trace. Malgré qu'elle soit infime, laisser notre trace quand même.